Exactement, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc je viens de recevoir de chez Banggood un colis et je vais le découvrir avec vous. C'est parti. Donc je vais le déballer. En fait c'est un sac. Bien emballé. Donc je mettrai le sac dans la description. Donc voici le sac. Voilà le sac. Donc ce sac là, bah évidemment, bah il y a deux bretelles avec donc c'est réglable. Hein. Donc ici, là aussi, ensuite on peut l'accrocher donc au niveau du ventre avec ces attaches là. Voilà. Donc, il y en a une autre encore qui est en bas, donc le bas du ventre. Donc maintenant le devant. Donc voilà le devant du sac, donc avec une poignée qui est là. Donc il y a une grande poche qui est ici. Voilà. Donc la poche elle va au fond du sac. Pour ça, je pourrais mettre ma télécommande et mon casque FPV. Ensuite, donc il y a une deuxième poche. Voilà, la deuxième poche. Avec des petits rangements. Ici. Là, pour mettre un téléphone. Et là, pour mettre des stylos, ces deux petites poches. Et par contre, sur cette poche-là, eh ben, elle va pas jusqu'au fond. Elle va à la moitié du sac. Ensuite, après, donc devant, il y a deux fermetures éclair. La fermeture éclair. Donc pareil, les deux côtés c'est les mêmes. Et la poche qui va être pratique, c'est la grande qui est là, avec une fermeture éclair aussi. Voilà. Et là, ça pourra mettre mes batteries, mes lipos. Donc là, des petites. Et là, il a une grosse, ici, grosse poche. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut y compartimenter comme on veut, parce que c'est tout en... avec du scratch. Donc là, elle s'enlève, je peux la mettre où je veux. Par exemple, on remet une là. Ici, par exemple, on peut mettre n'importe où. Moi, je la remets là. Voilà. Et puis ce qui est bien, si ça on n'y veut pas, et eh bien on peut y descratcher du sac. Il y a un scratch au fond et un autre scratch ici. Un scratch là et un scratch ici. Et là, pareil, il y en a un au fond et ici. Et puis ce qui est bien, la partie qui est ici, bon, pas trop, donc la partie qui est ici, et ben on peut la mettre jusqu'au fond du sac. Donc il y a une fermeture éclair qui est au fond et
on peut l'ouvrir. Là, là j'ai fini de l'ouvrir. Et vous voyez que là, il touche l'autre fond du sac. Voilà. Et là, il y a tout cet espace-là. Et du coup, bah, la deuxième poche, eh ben, elle va au fond du sac. Donc voilà, ça, je remets ça. Voilà. Ensuite, aussi, il y a une petite poche qui est sur le côté. Donc qui est ici. Et ensuite, un petit sac. Donc, je sais pas à quoi il va me servir pour l'instant. Voilà. Et aussi réglable avec ça. Donc, comme ça, on peut le fermer. Voilà. Et ensuite, il y en a une autre qui est cachée. C'est celle qui est là. Et celle-là sert. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pour protéger le sac quand il pleut. Là, il est imperméable. Et ensuite, il s'enlève facilement pour le ranger dans ce petit compartiment. Donc ce sac, je le mettrai dans la description de la vidéo. Donc il coûte à peu près 35 €. Aussi ce sac là, il a deux petites, donc pour antidérapant, il y en a deux. Je vais vous faire une démonstration en quoi il va me servir. Allez, c'est parti. Donc voilà tout ce qu'il me faut. Maintenant je vais les rentrer tous dans ce sac. Allez, c'est parti. Voilà ce qu'il me faut. Donc, toutes mes batteries, je vais les mettre dans le compartiment qui est ici. Voilà. Donc, les 3 batteries. Donc, c'est les batteries pour mon aile volante. Je vais faire une vidéo prochainement. Ensuite, la batterie vidéo de ma voiture. La batterie moteur. Donc je mets dans le gros compartiment. Voilà. Et une batterie d'enchange pour ma voiture. Et puis aussi donc le chargeur. Des prises pour charger par exemple ma runcam. Là pour charger mon casque. Ici, dans les deux petites places qui est ici. Et peut-être ça, si ça rentre.
Ouais, nickel, ça aussi ça rentre. Une petite boîte. Dedans, il y a mes écouteurs et un petit aimant de pneu pour ma voiture. Voilà. Ensuite, je referme tout ça. Voilà. Ensuite, ma télécommande, je vais la mettre au premier. Donc, elle qui va au fond. Ceci. Donc, je la mets comme ça. Au fond du sac. Avec mon casque. Hop. Et comme ça. Ensuite, je referme. Voilà. Là, j'ai fermé. Ensuite, donc la deuxième poche qui est ici. Je vais mettre mon petit dévers. Mettre comme ça. Avec mon petit écran. Mettre par-dessus. Ensuite, mes antennes de ma radiocommande. Et puis, l'antenne de mon casque. Je vais la mettre comme ça dedans. Mettre là. Ou alors là, si ça rentre. Non, ça rentre pas. On va mettre. On va mettre ici. Donc voilà. Et une bouteille d'eau. Voilà, casé dans ce petit coin. Voilà. Et ensuite, je referme. Et là, nickel. C'est tout rentré. Comme ça, j'aurai qu'un sac à porter. Et puis, ma voiture dans les bras. Comme ça, c'est plus simple. Et bah allez. Salut tout le monde.